Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, 29 juin 2011, nous nous retrouvons pour, la présentation d'un shiny totalement imprévu. Mais alors, quand je dis totalement imprévu, ça l'est réellement. C'est-à-dire que qu'il ne peut pas y avoir plus imprévu que ce shiny. Il s'agit donc d'un shiny purement hasard. Donc voilà, je l'ai attrapé par hasard. Alors, il a été rencontré le 28 juin à 1h19 et c'était juste avant que je passe le brevet et pour lequel j'étais angoissée comme jamais en plus. Alors là, bon, je vous expliquerai tout sur ce shiny dans une seconde vidéo puisque celle-ci sera réservée à sa capture. D'ailleurs, sa capture est filmée avec mon portable parce que je n'avais pas les moyens de filmer avec mon appareil photo étant donné l'heure et qu'à cette heure-ci j'étais censée dormir. Oui, sachant qu'il y avait le brevet derrière, je n'étais pas censée jouer à ma console à cette heure-ci. Donc j'ai dû filmer avec les moyens du bord comme on dit. Mais bon, au moins j'ai un souvenir de sa capture qui fut juste énorme et épique. Enfin, vous la verrez tout de suite après. Et puis j'ai une preuve noire assez potable, on va dire. Donc voilà. Alors je tiens à dire que dans cette vidéo je ne parle pas pour raison, vous les devinez, que je ne vais pas prendre le risque de parler et de me faire repérer, on va le dire comme ça. Mais sachez que mes émotions intérieures étaient vraiment vraiment immensément intenses, extrêmement intenses. Je peux vous assurer que cette trouvaille, complètement, mais alors je ne m'y attendais vraiment pas du tout, fut l'une des plus fabuleuses de ma vie, avec celle de Kishi et de Eben. Franchement là, oh putain, je l'aime ce shiny, c'est... Alors bon, je ne vous révèle pas directement son identité, mais je suppose que je n'ai pas besoin de le faire, puisque le titre de la vidéo vous dit tout, et puis... Enfin bref. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici sur la capture que j'introduis dans cette vidéo après cette petite et courte introduction. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo afin de tout expliquer sur ce shiny car j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire à son propos. Donc voilà, je vous laisse avec la qualité très basse et mauvaise de mon portable. Tout de suite pour sa vidéo, on va dire, de présentation complète.